Et désolé, mon internaute. Et mon internaute nous dit bon après-midi. Et me rappelle Zot qui nous actuellement ici à Trèfle, Rosil. Côte nous t'y trouve le décès de Monsieur Alberto. Alberto Richard. La jeune. Pour moi personnellement, mon tenir à dire la famille endeuillée une condoléance et c'est tout nous connaît qui finit dans des mots, c'est qui me connaît et à ma connaissance, moi connais ça de là, moi pas connaissais non encore ou peinant. Mais là, nous actuellement ici à Trèfle, côte un bouc final travail, il travaille comme sécurité, elle est une finale perdue sur la vie et nous pour un jeune sur la famille. Et bonjour madame, et mes sincères condoléances à vous et à la famille. Et nous pouvons sillonner un peu l'île et pour passer message le peuple un moment assez tragique hein, où fin perdu ou monsieur qui est dans l'ensoleillé de service en tant qu'une sécurité. Et à ma connaissance, c'est qu'au fin de je peux travailler à Rivière-Noire. Et il y a un petit guide qui travaille, tu peux faire. Sécurité, garde sécurité. Alors, au fait, tu es rentré 6 h le matin et tu finis 5 h. Oui, mais il y a une terminée, apparemment une terminée midi et demi parce que tu es une galo caméra qui s'arrête midi et demi. Oui, bien par rapport à ça, à partir de 3 h, nous commençons à sonner. Il prend le téléphone. Non, 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 nous pas de contact du tout. Avant qu'il t'y mette classe 3, pas de ce nouvel du tout. Non, non, du tout. Il pas sonne du tout. Mais me connaît, me dit si les papiers venir, moi me dit sûrement il reste en traverse qu'à 5 h. Me dit malgré mes classes 3, sûrement il pourrait jusqu'à 5 h. Mais apparemment non, depuis midi et demi, il finit sorti. Ouais, ça y est, depuis midi et demi, il finit tomber, personne pas connaît, il fait demi-journée, il fait une nuit tout là-dedans. Et où Michel, qui l'a dit, hein? Et tu peux gagner 57 ans, là. 56, c'est le mois prochain, il gagne 57. Et combien d'enfants il y en a? Il y en a 3. Deux garçons et une fille. Un en France, un garçon, avec un garçon et une fille ici. Oui, il y a un qui est avec l'école là-bas. Là. Ouais, pas qu'à dire aussi, pour essayer de venir ou pas. Ça veut dire on a 3 enfants qui écoutent ensemble avec la famille en entier qui est en deuil actuellement. Et mes sincères condoléances de la part de Radio Mopep nous-mêmes. Et madame, et vous êtes capable de dire nous, est-ce qu'il y a un téléphone l'Indiaou qui est là, gros dilolo chemin, ça m'en a fait là? Du tout, du tout. Je ne pas gagner ce call du tout, du tout, depuis hier. Je ne pas sonner du tout. Est-ce qu'un téléphone soit employeur pour demander qu'il y a? Ou tu as dit à nous qui a fait un téléphone sur. Ou tu as dit à nous quand un téléphone sur employeur? Pas nécessaire ou dire qui côté du travail. Ouais, et t'as mon téléphone. Au fait, Michel a qu'un téléphone, moi. Je téléphone du monde dans la cour là-bas, dans le village que tu travailles là-bas. Au fait, tu travailles. Comment ça s'appelle? Moncel, mon village. Une téléphone du monde là-bas. Ah, du monde là, j'ai nous. Du monde là, j'ai nous une tour de 4 heures là-bas. Et nous, je pensais qu'il peut travailler jusqu'à 4 heures. Au fait, c'était pas 4 heures. Pourquoi du monde a même une téléphone, ça, monsieur-là? Monsieur-là, il vient vers moi. Et là, il peut dire, moi, c'est pas mon mari de rentrer. Il me dit, non, pas encore. Et là, mon père dit, il est de ce côté qu'il peut faire parce que nous, moi, mon garçon, nous sommes dans la pluie, à rôder. 11 h, minuit, nous sommes sortis encore une année. Des fois, nous faisons la route là. Et à mon demande, il dit, moi, comme ça, c'est pas moi dans la police. Je dis, mon garçon, il fait une déposition à la police. Mais la police, il dit, attend. Il dit, attend, demain. Et là, grand matin, elle a mon ressonné. Mon ressonné, je dis, où de ce côté qu'il peut faire où? Ou du monde, ça, ou il disparaît, ou pas peut faire un move. Nous, 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 si on finit à la police, mais moi qui m'en quoi le faire.
Mais si on finit à bien attendre à ce stade, quand on a le côté du monde, je dis pas ce manière ça. Dans les temps comme ça, nous parlons du monde. Je dis que ce travail est direct, pas ce manière ça. Et là, je dis, mais en tous les cas, au fait, quand mon mari finit le travail, je ne peux pas le mettre l'entrée, je ne peux pas le mettre l'équilibre, je ne peux pas sortir. Il se retire subitement. Voilà. Capable d'une situation, le réseau, comment a été, vous pensez capable? Et t'as mon pédémanie, ce qui d'habitude dit habitude mettre soleil sorti. J'ai envie d'habitude de mettre soleil sorti, quand on a vérifié aujourd'hui, peine à l'air sorti. Et là, tout le monde gagne, mon gosse, une gagne, la caméra. Et là, une connaît qu'il y a une sortie. Et là, l'écho coûte qui l'hôpital était? Pas encore à l'hôpital, c'est encore coupé, j'ai dors à 20. Il est occupé? J'ai dors à 20, il tombe dors à 20. Côte Big Willis. C'est-à-dire, au bout d'un moment, que monsieur Soléko finit d'être emporté capable pour les eaux et il finit tombe dans un ravin à Tamarin, derrière Côte Biguili, c'est ça? Ouais, au fait, tu as une postée sur photo les réseaux sociaux, c'est par rapport à un commentaire que Benjamin peut donner, c'est comme ça que nous l'avons trouvé. Il y a un monde qui téléphone moi, il y a un monde comme ça, il trouve un monde qui peut tomber, le motocyclette, mais il n'est pas connu, c'est pas ça du monde qui peut rouler. Il y a un monde qui essaye d'aller à Guetancourt, de l'endroit tout. Il dit, si je ne pas connu, je devine Tamarek, moi je devine Tamarek, je te seulement pour montrer ce qu'il endroit ça. Et vraiment, il y a la base d'une téléphonie, c'est la même. Une trousse motocyclette, après des lignes tombent en bas. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage-là. Et je ne pas pour trop fatigué avec ça, life-là. Je connais ou même ou déjà en deuil, mais il est important que l'information passe au public pour que le public aussi connaisse la situation finale. Et là, nous avons monsieur Maître Olivier, c'est ça. Et où finit chez la famille, et aussi où avez expliqué nous bonne décision qui finit prendre selon vous, comment tu bien gères la situation. Tout d'abord, Boutenia a précisé que pour un collègue du PMSD, conseiller du PMSD avec moi, nous venons ici pour témoigner une sympathie et une solidarité envers la famille de la victime. Et nous déplorons aussi, hein, nous déplorons le fait qu'en 2024, avec une technologie qui nous a, qui n'est pas fin capable de prévoir la situation qui finit arrivée hier. Et il est triste pour nous trouver qu'aujourd'hui, à cause, c'est un irresponsable qui en a dit qu'il a perdu la vie et c'est la famille qui peut souffrir. Je souhaitais que chaque personne capable assume ses responsabilités et bien situer la responsabilité et surtout qu'il n'a peine aucun cover-up. Vous pensez la décision fin mal prend aux dernières minutes dans la classe, tu les en classe 1 après fin 2, 3, un seul coup subitement? Mais définitivement, vous connaissez, gouverner, c'est prévoir. Encore une fois, comme vous dites, il est inacceptable qui pas fin capable de prévoir la situation qui finit en guerre. Sous aucun prétexte, nous ne sommes pas capables d'accepter quelque chose comme ça. Merci, monsieur. Merci. Et voilà, nous sommes chez la famille, côte fin perdit la vie dans ce lieu de travail qui se trouvait à Rivière-Noire et les fin dans ce lieu de travail, côte les fin perdit sur la vie et nous peut annonce aussi nous fin cause avec la famille pour nous dire qui nous sincère condoléances avec la famille bien sûr et nous pas souhaiter que ça arrive à notre famille hein. Nous rappelle autres qui à ma connaissance à nous ceux qui nous connaissent nous finit dans N à le motocyclette qui finit décédé et ensuite nous a le monsieur côté nous était là actuellement et après moi pas connaître moi besoin vérifier l'information pour me connaître si plus si les autres encore qui nous pas souhaiter et moi espérer qu'il peine hein. Et me dire à la bande publique, voilà un petit peu la bande décision qui finit prend. Et voilà, malheureusement, une affaire qui finit arriver. Et m'espérer que le gouvernement lui-même lui prend la bonne décision la prochaine fois, qui est une catastrophe pareille, que je t'essaye et prendre une décision dans une bonne direction, afin qu'il s'apparaisse arriver dans l'utile. Et je souhaitais aussi dire que la météo de Maurice qui capable prend un petit guide, ben info, surtout suivre système qui la Réunion fait et je pensais qu'il besoin agir plus vite dans sa banque pareille.
Bonjour madame, un petit mot avec vous. Quand on entend la nouvelle, vous êtes la famille, membre de la famille? C'est-à-dire, moi, je connais ma nièce, monsieur, qui est décédée là. Je connais bien depuis le tipsy, mais je tenais à une visite à sa famille là. Voici comment on dit, je connais bien. Et moi, je suis choquée ce matin quand je trouve ça sur Facebook et je informe les autres là. C'est ben ami même, comment dire? C'est-à-dire, c'est ma nièce, monsieur là, c'est nièce, neveu, c'est ben ami de mon enfant, de la famille, ami très proche, oui. Toutes mes condoléances à vous et moi espérer qu'ils autres aussi remontent la pente de sa situation. D'accord, merci. Et voilà, c'était Darren avec Zout qui finit d'un Zout l'information, le décès de M. Alberto, qui finit décédé malheureusement qui finit tombe d'un ravin, c'est qui sont Madame Pedjanou. Et les malheureux qui sa situation a fini d'arriver. Et voilà, c'est mon cher internaute, nous voulons les autres ces images là. Et je suis capable de chercher l'information, il est important que le public connaisse aussi qui peut passer dans les îles. Et bonne journée, et nous pouvons essayer à l'autre place dans Maurice, qui situation dans l'autre côté. Merci, et c'était Darren avec Zout en direct depuis Trèfle.